Salut à tous, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment cacher son adresse IP sans utiliser de VPN. Donc cette méthode est totalement gratuite, on n'aura pas besoin de VPN, parce que la plupart du temps, les bons VPN sont payants, alors que ceux qui sont gratuits sont d'habitude plus lents, ou ils utilisent de mauvais serveurs, ou parfois ils vendent vos informations personnelles. Donc dans cette vidéo, on va voir comment cacher son adresse IP publique sans utiliser de VPN. Donc pour faire ça, on va utiliser le navigateur Tor. Donc Tor, c'est un navigateur. Donc pour aller le chercher, il faut juste aller sur Google et puis chercher Tor Browser. C'est aussi appelé le navigateur Onion parce qu'il a plusieurs couches de sécurité, l'une par-dessus l'autre, comme un oignon. Donc ce navigateur, il est surtout connu parce que les gens l'utilisent la plupart du temps pour aller dans le deep web ou dans le dark web. Mais il permet aussi de cacher son adresse IP. D'ailleurs, c'est pour ça que les gens s'en servent pour aller dans le deep web, parce qu'il permet de cacher son adresse IP. Il utilise différentes méthodes pour ça. Si vous voulez approfondir votre connaissance sur le sujet, je vous conseille d'aller sur le site web de Tor et de regarder un peu comment il fait pour cacher votre adresse IP publique et les différentes méthodes qu'il utilise. Mais voilà tout. Donc pour le télécharger, il faut juste aller donc sur le site et puis cliquer sur Download for Windows, macOS, Linux ou Android selon ce que vous utilisez. Donc ce qui est bien avec ce navigateur, c'est donc qu'il permet de cacher l'adresse IP gratuitement. Mais il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est que il faut faire attention à quel site on visite, parce que c'est pas un navigateur comme Google. Par exemple, Google, il fait un certain filtre pour décider de quel site web, sur quel site web on peut aller, sur quel site web on ne peut pas aller. Alors que Tor, il vous donne vraiment accès à tout. Tout ce qu'il y a sur Internet, vous pouvez aller dessus. Donc, il faut vraiment faire attention, parce que vous aurez aussi accès au deep web. Donc voilà tout. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser en commentaire et je vous aide. Salut!